Eleanor, est-ce que tu connais Jésus? Personnellement, non. Non, je veux dire, est-ce que tu connais Jésus, quoi? Enfin, le Fils de Dieu, tout ça te parle? Bah, j'étais dans un collège catho, donc ouais, un peu. Tu sais qu'il a eu une carrière plutôt cool. Enfin, il a bien bossé, quoi. Bon, Ouais. mort sur la croix pour racheter nos péchés. Et puis après, de toute façon, il n'était pas vraiment mort, il est revenu, donc ça Ouais. va. Il a fait des miracles, il a multiplié les pains, il a marché sur l'eau, Il a transformé l'eau en vin. l'eau en vin, il a tendu sa joue gauche, enfin, il a fait plein de trucs, quoi. Ouais, peut-être. Eh bien, sache qu'il était tellement connu qu'on a fait des tonnes de statues à son effigie. C'est comme il y a plein de Pokémon en plastoc, il y a plein de Jésus en pierre. Et du coup, même des statues de Jésus peuvent faire des miracles. Ah ouais. Et il y en a une en Inde qui Ok. fait des miracles. Ça se passe en 2012. Hein. La statue de Jésus Elle a bougé. sue des pieds. C'est quoi C'est Jésus sur la croix, le d'accord? Et il sue des pieds. Il message? est contre une poutre et il sue des pieds. Du coup, les gens, ils ont fait « Bon, allez, ce miracle-là, allez, on va lui boire les pieds !» Ah Les gens ont non! commencé à boire la sudation des pieds de Jésus. Et donc, voilà, tu vois, là, ils ont une bouteille d'eau en train de récupérer la sudation des pieds de Jésus. Mais c'est juste que c'est hyper humide en fait. Ils doivent être malades. Alors, toi, t'es en train de rationaliser. Oui. Eh bien, sache que Sanal Adamarucu, Maruku, je ne sais pas, lui, c'est quelqu'un qui rationalise, comme toi. Ouais. Et lui, il fait partie de l'association rationaliste indienne. Et il est allé voir, et il a fait « Non! Arrêtez tout! Arrêtez de boire de la sudation des pieds de la statue de Jésus! Parce qu'en fait, il y a un tuyau qui est cassé au-dessus, et c'est l'eau des chiottes! Ils sont pas morts? » Ils boivent du pipi et du caca. Bah, en vrai, le miracle, c'est qu'ils sont pas morts. Non, le véritable miracle. Ils l'ont regardé, ils lui ont fait « Non, c'est un miracle. Tu mens, Sanal. C'est pas bien. Tu mens. » Et il a été accusé de blasphème et condamné à 3 ans de prison. Merde, et il les a fait là? Non, il s'est réfugié en Finlande. Donc le mec, c'est l'histoire d'un mec qui a dit « Non, buvez pas, c'est l'eau des chiottes !» Et les gens lui ont fait « Tu mens !» Et du coup, il a dû aller se cacher en Réfugié. Finlande. Ah ouais. On prétend qu'il a menti à cause du suintement des pieds, et la cause du suintement des pieds n'a toujours pas été vérifiée. En Inde, le blasphème est puni par la loi, peu importe la religion. Par exemple, les versets sataniques de Salman Rushdie. J'ai pas lu. C'est un livre qui est interdit en Inde. Ça lui a valu une fatwa dans Le Monde. Et maintenant, c'est pas possible de boire l'eau des pieds de Jésus parce que j'ai pas eu le temps de me faire livrer. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des préservatifs à mes pieds. Et j'ai beaucoup marché, et j'ai réussi à suer des pieds. Et donc, j'ai obtenu ce jus de pied. Et Léonore, est-ce que t'as soif? Et eh ben, je viens de boire une gorgée là. Il se trouve que le hasard fait bien les choses. Écoute, Moi, je me sens tire. vas-y, sens mes pieds, ma sueur de pied. Tu bois beaucoup d'ice tea, non? Enfin oui, mais je vois pas. J'ai l'impression que c'est de la pina colada, De la quoi? Ah, ça doit être du citron. La pina colada? Oui, mais je sais pas parce que j'en bois pas. La pina colada, c'est de l'ananas et de la Ah noix oui? de coco, je crois. Ah oui, non, là c'est du citron carrément. Générique. Bad News vous présente le second numéro de l'agenda sorti près de chez vous. En janvier 2023, donnons-nous tous rendez-vous à Sarlat-la-Canéda pour la fameuse fête de la truffe. Au programme, atelier d'identification de la truffe, conférences, démonstration de cavage et surtout, dégustation de croustous, en compagnie des élus de la région et de tous les amis de la truffe. Du 12 mai au 31 décembre, nous vous invitons, le temps d'un arrêt ou d'une correspondance, pour l'exposition permanente « Gare de Figeac, une histoire en devenir », en présence du service du patrimoine de la ville. Enfin, la fête s'invite à Tulle pour les Nuits de Nacre, le premier festival entièrement consacré à l'accordéon. Toute la ville va guincher au rythme du bal musette, autour de concerts variés jusqu'à son apogée, lors de la grande soirée hommage à Jean Lapeyre. Merci beaucoup, Ariel. J'espère que ton acné sur ton pénis va mieux. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'édition de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission Eleanor Jenkins. C'est moi. Bonjour. Bonjour, Davy. Je vois que sur ta tête, tu as un super Bob Bad News. Oui.
C'est parce que, est-ce qu'il y aurait par exemple du merchandising Bad News? Je sais pas, peut-être. Peut-être, sur Redbubble, vous pouvez y aller, le nouveau logo est disponible, et ce t-shirt il est super. Aujourd'hui, on est dans une émission spéciale Tour du Monde, et on est en... France? Non, on était où dans le pré-générique? En Inde! Oui! C'est une spéciale Inde! Elle s'est souvenue! T'as un truc à dire? Sur c'est quoi ton actu? Moi? Ouais. D'habitude, je fais l'actu avec les guests, mais... Moi, j'ai pas d'actu. T'as un super pins. Oui! Oui, c'est vrai, mais ça, c'est pas mon actu. J'ai décidé d'être corporate aujourd'hui. C'est vrai. Donc, j'ai mis un petit zizi. C'est mon pins beat que vous avez pu avoir en achetant ma BD qui est là. Et ouvre la première page pour montrer mon actu. Ah, voilà des photos d'Eleanor Jenkins. Eh oui! Avec toute ma collection de jouets qu'on a foutu par terre et tout ça, machin. Ouais. Très belle photo d'Eleanor. Je vous rappelle que Eleanor peut faire vos photos de book. Ouais. Par exemple, pas l'animal. Oui, ni de... Les gens, ils vont t'appeler pour faire des photos de chèvres. Ça serait tellement drôle. Elle est spécialisée dans la photo de chèvres. Ça existe, en vrai. Ah ouais? Ouais. Les gens qui savent faire réagir les animaux? Ouais. Ok. En bref, de Mélanie et Alex. En bref. Quand on fait des recherches sur l'Inde, donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Bollywood, mais il y a aussi beaucoup de choses qui tournent autour de la malformation. Et donc, on a un cas animal aujourd'hui dans l'émission et un cas humain. On va commencer par le cas humain. Voilà. Oh ! L'humain ! On dirait un homme pieuvre, mais pas du tout. Il a 4 bras et 4 jambes. Ah ouais, ils sont pas bien placés. Et il a 2 paires de fesses. Eh bien, sache que cet enfant qui est né comme ça, en Inde... C'est un dieu. Eh ben ouais. C'est Shiva. 4 bras, 4 jambes. Alors, c'est pas Shiva, 4 bras, 4 jambes. C'est la réincarnation de Lakshmi. Là-bas, ils se sont dit que l'enfant qui est né comme ça... Oui, c'est... Eux, ils ont fait « C'est un miracle !» Ben oui. Ils se sont pas dit « C'est la merde !» Ils se sont dit « C'est un miracle, c'est la réincarnation du dieu Lakshmi !» C'est pas Alexandra Lakshmi. La comédienne. Pour être rationnel, cette maladie est une polymélie. C'est un bébé qui a mangé son frère dans le ventre de la maman et finalement il a fait « Non, je vais garder ça. Ah, » voilà. Et du coup, on obtient ce truc chelou. C'est très rare et souvent fatal. Maintenant, passons à l'animal. Oui. Quel est ton animal préféré? Répond la chèvre. Répond la chèvre? Ah, je dois répondre la chèvre. Ah oui, c'est pas quel est ton animal préféré, répond la chèvre. C'est quel est ton animal préféré? Réponds la chèvre. La chèvre. La chèvre? Ah bah ça tombe bien, Eleanor. Ah là là. Et voilà. Oh, on dirait le cyclope. Eh bien oui, c'est une chèvre cyclope, voilà. Sa langue est chelou. Enfin, on dirait un peu, tu sais, la bouche, on dirait la bouche d'Homer Simpson, un peu, tu trouves pas? Alors, moi je comprends pas la bouche parce que je sais pas si c'est la langue, elle sort. Enfin, il y a quand même un problème. Puis surtout, si tu remarques bien, elle a qu'une oreille. Ouais. Voilà. Ah mais elle est toute petite, elle tient dans le... T'as vu la taille du pouce? Mais oui. Miniature. Moi je la voyais sa tête comme ça quoi. La malformation est due à un échec de la séparation de son cerveau en 2 hémisphères. Elle a un hémisphère, un œil, une oreille quoi. C'est une demi-chèvre. Elle est très mignonne, regarde. Mais les spécialistes ont dit elle va sûrement mourir très vite parce que bon bah tu survis pas comme ça quoi. Oh. Et là elle a quel âge aujourd'hui? Je sais pas, je vérifie pas mes sources, putain, arrête de poser des questions qui sont pas dans le truc. Ok, j'arrête. En bref, Demaël. En bref. Qu'est-ce qu'ils font en Inde, les gens, quand ils sont amoureux? Ils s'aiment. Oui, mais après? On se marie. Oui! Oui, bravo, Eleanor! On va parler d'un mariage en Inde. Fidélité, amour, gloire. Passion. Beauté, gloire et amour, gloire et beauté. Ah. Bon, bref, en Inde, un couple s'aime énormément, ils ont décidé de se marier. Trop bien. Ouais. Et dans le contrat de mariage, ils ont fait un truc un peu rare. Ils ont stipulé que le couple devait manger une pizza par mois. Mais pourquoi? Alors, bah... Mais attends. Déjà, quand on se marie. Ouais. À la mairie. Alors, je sais pas si on peut parler de mairie en Inde, mais ouais. Bah non, mais je sais pas. Non, je dis pas qu'ils ont pas de mairie, mais ça doit pas être pareil. Je pense que c'est plus un mariage religieux, je sais pas. On remarque qu'il y a un contrat de mariage, bon. Donc... Quand on se marie à l'église, oui, à l'hôtel religieux, oui, ou à la mairie, à quel moment tu signes des... Tu peux faire des contrats avec... je sais plus, avec des... Bah, par exemple, si on se marie. C'est très drôle, a priori. On pourrait faire un contrat de mariage qui dit, si on se dit qu'il y a divorce, l'appart me revient à moi et pas à toi. Oui, parce que c'est des biens.
Là, on part très loin. Mais les pizzas, à quel moment ? Ils ont tenu à mettre dans le contrat de mariage le fait que c'est une pizza par mois. Donc on se dit, bon, bah ils aiment beaucoup la pizza. Et effectivement, c'est un couple qui adore les pizzas. Ils se sont rencontrés, le mec l'a invité dans une pizzeria. Elle a fait, mais j'adore les pizzas. Il dit, mais moi aussi ! Et ils se sont mis à bouffer des pizzas tous les jours. Ah ouais. Et en fait, c'est la famille qui les ont forcés à mettre dans le contrat de mariage que c'est une pizza par mois maximum pour qu'ils arrêtent de bouffer de la pizza parce que leur vie peut être en danger à force de manger de la merde. Du coup, le couple, maintenant, mange des flammkuchs. J'adore, mais non. Tu sais que je suis fan de flammkuchs. Oui, mais non, mais pas en Inde. Non, je mens. Alors maintenant, je sais. Maintenant, est-ce que tu peux me parler de ta passion des flammkuchs? Ah, j'adore. Non, mais est-ce que ça intéresse les gens? Que moi, les tartes flambées d'Alsace, c'est ma passion, en fait. Ok. Mais passion, c'est-à-dire parce que tu en fais? Non. Ah non, je les achète chez Carrefour ou chez Monoprix. Comment tu peux être passionné par des flammkuchs qui ont été fabriqués dans une grande surface de merde? Parce que... c'est 6 minutes. Mais... tu sais qu'il y a, des restaurants flammes ou je sais plus quoi. Ouais, flammes. Ouais, ouais mais. Et, tu d'ailleurs, s'ils veulent nous sponsoriser, moi je prends. Hein. Tu peux aller là-bas et avoir des bonnes flammkuchs, tu le fais des fois. Oui. Oui, je suis déjà allée chez Flammes. Ouais, allez. Ils ont des flammkuchs au Nutella. Mais ça, il faut arrêter les Français de mettre le Nutella partout. Même aux Japonais. Dans certains japonais français, t'as en dessert, t'as des makis au Nutella. Des makis au Nutella. Au Japon, t'arrives avec ça, les mecs, ils font « Bon, les makis caca !» Bon, allez, attends. Ah oui. Attends, essaye. Ah, essaye celui-là. Ah ouais ? Ouais. Bah, je vois flou de cet œil. Du coup... ah, c'était le point ! On a le même point de vue ? Ah oui, le trou de point. Mais non, le point de vue... de la semaine. En bref, rapidement, continuons à parler d'amour, d'accord? Okay. L'amour, c'est beau. Et cette histoire, au début, commence avec pas du tout de l'amour. Imagine, tu vis en Inde, ouais. D'accord? Tu habites même Ganeshpur. Ok, c'est où? Une ville en Inde. Tu regardes la télé le soir, tu regardes une production bollywoodienne, t'adores parce que les gens jouent hyper bien, ça chante, ça danse, t'es devant, t'es là, t'es à fond, tu te demandes si le couple va finir ensemble à la fin, quoi. T'es à fond dans ton truc. Et là, coupure de courant. Non. T'es en colère. Ben oui. Surtout que t'es en colère parce que ça arrive tous les soirs pendant 3 heures. Au même moment dans la série? Oui. Au bout de 2 semaines que ça t'arrive tous les soirs, à un moment, tu ouvres ta fenêtre et tu fais « Mais quoi? Quoi ?» Et là, tu te rends compte que personne n'a de courant dans la ville. Toute la ville. Mais que se passe-t-il? Eh bien, les habitants font comme toi et commencent à mener l'enquête. Pourquoi il y a une coupure de courant dans cette ville tous les soirs? Ils cherchent dans les rues, ils sont en train de se demander qui fait ça. T'as vu, j'en ai froid dans le dos. Et ils se rendent compte qu'un électricien, tous les soirs à la même heure, rejoint une copine dans la cour d'une école. Et au moment de la rejoindre, il coupe le courant général de toute la ville. Ça fait qu'ils peuvent s'aimer au regard de personne. Personne ne peut les voir. Mais oui, je comprends pas pourquoi ils coupent. Déjà, pourquoi ils se retrouvent dans un endroit? En Inde, faire l'amour hors mariage, c'est caca. Et faire l'amour dans une cour d'école? C'est caca. Oui. Pour être sûr que personne ne les chope, le mec lui donnait rendez-vous, tous les soirs coupait le courant, ils se voyaient pendant 2-3 heures, et après ils se séparaient. Mais là, la foule, ils les ont vus, ils les ont chopés. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils les ont forcés à se marier. Mais ils avaient des relations... Bucogénitales. Oh non. Ah, ça devait y aller à fond. Alors... Mais ça va, on voyait rien. Ah bah oui. On regarde la pub de robe. Tu veux être peinard au bureau sans paraître insociable? Alors utilise Breath Away. Goût café, ail, cigarette ou pastis, mâcher Breath Away vous aidera à puer rapidement de la gueule pendant minimum 12 heures. Idéal pour rester seul. Breath Away, éloignez vos collègues grâce à une mauvaise haleine. Merci beaucoup, Rob. En bref! En bref!
Alors, à chaque fois qu'on fait le tour du monde dans Bagnose, on s'intéresse aussi aux activités des gens, leurs sports favoris, qu'est-ce qu'ils vont voir comme pestacle, etc., etc. Et en fait, en Inde, ils kiffent à fond les puits de la mort. C'est quoi ça? Bah justement, à ton avis. Bah quand tu tombes dedans, tu meurs. Oui, bah attends, je parle d'activité, ou de sport, ou de trucs comme ça. Alors là, tu me dis activité, j'imagine, tu sais, comme le saut à l'élastique. Ouais. Dans un puits. Faut éviter les bords, quoi. Non. Ça s'appelle aussi le mur de la mort. Non. Eh bien, c'est ça. Ah, c'est de la moto. De la moto ou des voitures. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit en Ardèche, quand il y avait la vogue qui venait, la fête foraine, parfois, il y avait ça aussi. Oui. Et ça, ça a complètement disparu en France, j'ai l'impression. Et en Inde, ça marche de ouf. Les gens peuvent voir pour 40 roupies, 75 centimes, c'est pas énorme. Alors peut-être que là-bas, si, je ne sais pas. On peut voir des motos, des voitures rouler sur les murs, quasiment verticaux. Mais ça, on a hein, à la télé. Oui, mais en Inde, c'est tellement connu que eux, ils font 20 représentations par jour pendant 11 mois de l'année. Oh, waouh! Ça fait combien? 11 mois de l'année? Ah, 20 par jour. Non, je sais pas. Moi non plus. Dans les commentaires, montrez que vous êtes fort en maths. Ça existe aussi en Europe et aux États-Unis. Oui, bien sûr. Mais en Inde, c'est des déglingos. Regarde ce qu'ils font. Oh, waouh! Regarde, vérifie le casque. Zéro. Et le truc de protection. Zéro. Que dalle! Regarde! Mais c'est dingue! Aucune protection! Mais t'as vu la voiture, les compensations qu'elle a et tout? Je m'y connais pas. Les compensations? des roues là. Comment on dit les compensateurs? Les ressorts qui font que la voiture elle bounce. Les suspensions. les compensations. On dirait ma mère qui parle du cytogramme de la carte bleue. Oui, c'est ça. Alors, par contre, le puits de la mort porte très mal son nom. Puisque selon les organisateurs, il n'y a jamais eu de mort. Bon. Selon les organisateurs. Oui. Moi, à mon avis, quand je vois ça, je me dis, on est quand même, il y a peut-être bien une fois ou deux, il y en a un ou deux où la bagnole a fait comme ça, ils n'avaient pas de casque, ils se sont écrasés quand même. Oui, mais ils sont pas morts dans le puits, à mon avis. Ah, après, ils ont sorti. Ils sont juste blessés. Bien sûr, peu à peu, l'Inde interdit ses spectacles, bizarrement, même s'il n'y a pas eu de mort. Peu à peu, l'Inde dit, on va interdire. Donc, bah, quoi faire en Inde? Je sais pas. Bah faire des batailles de... Boules de neige? Non, de boules de merde. Oh non! Quoi? C'est du vrai caca? C'est de la bouse de vache. Ah oh, mais pas... Bah, tu sais, en Inde, les animaux sont sacrés, énormément de végétariens, ah, oui, c'est etc. Vrai. Donc c'est, bon, c'est une fête spéciale. Hein. C'est des tonnes de bouse accumulées hein, durant un certain temps, voilà, qui sont amenées en tracteur dans un temple. Et les gens font des bains de bouse. Regarde, il y a Jamel là-bas. De bouse. Et donc, à la fin, ils font une bataille de boules de bouse. Ah, j'adore. Moi, je propose en Ardèche de faire ça. Des batailles de bouse de vache. Mais il y a des vaches en Ardèche? Ah bah oui. Ok, pardon. Excusez-moi les Ardéchois. Bon, c'est tout pour la bouse. On a besoin de génériques de fin pour Bad News. Mais vous avez envoyé plein de génériques de fin. Mais nous, en général, c'est que la montagne est belle qu'on passe. Donc, envoyez-nous des génériques de fin en chantant comme vous voulez, mais... Que la montagne est belle. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé du Gorillaz et il chante sur du Gorillaz. On met pas du Gorillaz, sinon on est démonétisé. Tout Gorillaz, il prend l'argent de Bad News. Donc désolé, tout ça vous l'envoyez à mabadnews@gmail.com et vous pouvez aussi envoyer vos Bad News à mabadnews@gmail.com. C'est écrit là. Je suis en dédicace vendredi 28 octobre à Lyon de 15h à 19h à Mommy BD. Et je suis en dédicace le samedi 29 octobre à Davézieux en Ardèche au coin du livre. Venez avec votre bouse de vache. Ouais. Il y a un taré qui va le faire. En bref, en Inde, il y a un truc qui est très courant, c'est la triche aux examens. Là-bas, c'est un peu un sport national, c'est-à-dire que dès que tu passes un examen pour un concours, pour un truc, tu triches, tu essayes de tricher pour essayer d'embrouiller les gens et puis d'avoir le concours. Même pour les concours d'entrée dans l'armée, les mecs trichent. Ils n'arrivent pas à contre... Bah, ils essayent de contrecarrer, mais ils galèrent parce qu'une fois, les gens qui voulaient devenir policiers, donc agents de la loi et de l'ordre, ont triché et ils en ont arrêté 1000. Il y a eu 1000 tricheurs. Et en 2016, l'armée organise un concours et là, il y a 1000 personnes qui se présentent. Et là, l'armée se dit, on va pas fouiller 1000 personnes. Non, c'est pas les mêmes. C'est tous les tricheurs qui ont fait en du mal. Ils se sont dit, putain, on va pas pouvoir fouiller 1000 personnes. Ça va nous prendre un temps ouf. Comment on peut faire pour être sûr qu'ils ne trichent pas à l'écrit? À poil.
Bonne réponse, Eleanor. Oh non. Tous à une distance de 4 mètres. Oh bon, ils sont en slip. Ils se sont dit que bon, en slip, ils peuvent pas trop tricher. Mais ce serait pas le moment de regarder une super pub. T'as changé de fringue, Eleanor? Non. Ok. Le Lelo Dot est un stimulateur clitoridien ciblé. Grâce à son embout qui est extrêmement fin, tu peux aller chercher plus facilement ton clitoris. Et du coup, c'est pour les gens qui sont solo, grâce à la poignée du Lelo Dot, mais aussi, ça peut être la personne qui est avec toi qui peut très bien le faire à ta place. Ça change des stimulateurs clitoridiens habituels, parce que déjà, c'est beaucoup plus fin. Et ensuite, il n'entraîne pas d'engourdissement, donc il facilite les multiples orgasmes. Tu connais ça, les multiples orgasmes? Ouais, de ouf. On la croit tellement. C'est le seul stimulateur clitoridien avec une trajectoire elliptique. Il a fallu que je le lise. Donc elliptique, ça... c'est ça. Exactement. Pour fêter la sortie du Lelo Dot, ils ont mis sur leur site un test de personnalité orgasmique. Est-ce que tu veux qu'on fasse mon test de personnalité orgasmique? Est-ce que moi, je peux te poser des questions? Oui, tu peux. Davy, quelle est votre position sexuelle préférée? La levrette, le papillon, les ciseaux ou la cuillère? Le papillon. Quelles sont vos vacances idéales? À la montagne, à la plage, à un festival? C'est quoi les vacances? Les vacances me foutent en dépression. Donc, c'est quoi les vacances? Qui rêvez-vous d'inviter à dîner? Un fantôme? Un ou une terre-planiste? Satan? Un tyrannosaure? Moi, j'hésite entre quelqu'un qui croit que la Terre est plate et un tyrannosaure. Et le problème, ça serait pour me moquer. Donc, je choisis un T-Rex pour être un dîner. Ouais. Parce qu'un T-Rex qui essaye de manger son dessert avec ses petits bras, c'est extrêmement drôle. Oh non, l'éclair à la vanille. Ah. D'ailleurs, les T-Rex utilisent le Lelo Dot pour pouvoir atteindre leur sexe. J'ai un mec de Lelo. Je suis un joueur solo. J'aime avoir des orgasmes seul. Et du coup, oui, j'ai droit à avoir un truc gratuit. À vous de faire votre test orgasmique. On reprend l'émission? Oui, je vais me changer. Ah, voilà, t'avais changé de vêtements. Non, j'ai toujours mon bob. Ah, mais c'est vrai. Mais pour découvrir le réel plaisir de l'utilisation du Dot de Lelo, c'est de le tester. Et encore mieux, c'est de le gagner. Et ben voilà. Voilà, Lelo te l'offre, et Bad News aussi. Fais un poème sur moi et mon chat de 4 lignes, et je choisis mon poème préféré, et tu gagnes le Dot de Lelo. Voilà. Allez, c'est parti. T'as une semaine. 7 jours. Jusqu'à la Bad News, quoi, la prochaine. On reprend avec un en bref. En bref. Cette bad news est arrivée en Inde en septembre dernier, donc c'est assez récent. En France, quand on sort de chez soi, par exemple, toi t'es venu ce matin, ouais, t'es sorti chez toi, t'aurais pu être attaqué par quel animal? Un rat. Un rat? Ouais. Voilà, un pigeon? Ouais. Pourquoi pas? Un chien? Oui. Au pire. Et ben en Inde, eux c'est mieux. Il y a une dame qui sortait de chez elle avec son bébé dans les bras. Et là, qui est-ce qui les attaque? Un sanglier? Non. Un aigle? Non. Un tigre? Un tigre qui s'est dit, hey, et si je boulotais le bébé? Boulotais. Boulotais. Bouloté. Il se jette sur l'enfant et il lui croque la tête comme ça. Et là, la mère, ni une ni deux, elle dit c'est mon enfant. J'ai vraiment un lien affectif avec cet enfant. Je vais te casser la gueule. Et du coup, elle commence à donner des coups dans la tête du tigre. Donc le tigre lâche le bébé et le tigre s'attaque à la maman et lui perfore le poumon. Oh non. La meuf hurle. Ça appelle les gens arrivent et tout ça, les habitants arrivent. Ils commencent à taper le tigre et le tigre s'enfuit. Là, on les emmène à l'hôpital. L'enfant est sauvé. Il a beau avoir des crocs dans la tête, il a des trous, hein, mais il est sauvé. Il va bien. Et la maman va bien aussi, et elle a sauvé le bébé. Trop bien. C'est ouf. Ouais. Et donc la mère a des grosses bonnes couilles. Sondage pour les badounettes. Vous, pour sauver votre enfant que vous aimez, jusqu'à quel type d'animal vous seriez prêt de vous battre? Moi, par exemple, j'ai un enfant, il y a un tigre qui arrive. Je pense que mon amour est très relatif pour l'enfant. Moi, je serais prêt à me battre avec une araignée. Ah oui. C'est pas mal. T'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Moi, si j'avais un enfant, je pense qu'un chat sauvage. Tu lui envoies des whiskas? Moi, c'est un chat m'attaque. Moi, j'ai une technique. Je vais acheter des croquettes de supermarché, celles avec beaucoup de sel. Ah oui. Je lui en donne tous les jours. Et très vite, en 8-9 ans, il aura des problèmes de reins et il va en mourir. Dis pas ça, c'est ce qu'on fait à nos chats. Je crois. La correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 180, à 1 minute 10, Davy fait de la géométrie. Je pense que t'es un peu obligé de les aimer à la même distance, hein, équilatérale l'une de l'autre, hein, je pense. Hein. Deux ou plusieurs choses à même distance sont dites équidistantes, et non pas équilatérales, qui signifie en géométrie que tous les côtés de la figure sont égaux. Par exemple, pour le triangle équilatéral. Démonstration.
C'est mon trionque préféré. Plus tard, dans l'émission, ce sont les abréviations qui posent problème. À 18 minutes et 4 secondes, la France va encore gagner la CDM, Cocorico. Je sais pas ce que c'est. CDM, Coupe du Monde. On retrouve un acronyme plus tard, à 1952, où Davy ne sait pas ce que c'est que le CNRS, et même le confond. C'est le CNRS qui organise ses courses. Ah putain, génial, j'adore le CNRS. Tu vois ce que c'est? Oui. Ok. Je sais plus maintenant. Bah, le CNRS, c'est le truc... L'espace. Non. CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Et donc, le truc de l'espace, c'est soit la NASA, National Aeronautic and Space Administration, soit chez nous, l'ESA, European Space Agency, ou encore l'ONERA, Office National d'Études et de Recherche Aérospatiales. Et cela, vous les connaissez? C'est ce qu'on appelle des allographes, ou suites de lettres qui n'ont de sens que prononcées l'une après l'autre. Je vous laisse le temps de mettre pause et de les lire à haute voix. Mon préféré, c'est la dernière. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Et Michael Jackson, en fait, c'est Freaky Woody. Hihi. Merci beaucoup, Sylvain. On passe à la bad news du jour qui nous est envoyée par Robin Belgique, Aurélie, Itineris, Johnny et plein de gens. En bref. Bah vas-y, parce que c'est le sujet de la bad news du jour. T'es piqui pu? Non, on va parler d'eau. L'eau en Inde. Ok. T'as déjà entendu parler de l'eau en Inde quand même Ouais, dans le Gange notamment. Les gens ils disent que l'eau elle est polluée, que l'eau elle est dégueulasse, qu'il y a des morts dedans, que l'eau est pas du tout potable. Eh bien fermez bien vos gueules, car il y a un Indien qui s'est levé et qui a dit c'est terminé tout ça, c'est des préjugés, ok? Bhagwant Mann, le président de l'état indien du Punjab, a décidé de prouver à la terre entière qu'on peut très bien boire l'eau. De la rivière. Il a fait venir la presse, il a fait venir tout le monde, et il s'est filmé, voilà, en train de boire l'eau sacrée de la rivière de Kalibain, voilà. Et voilà, il a prouvé qu'elle n'était pas polluée. Deux jours plus tard, il était hospitalisé. Et les médecins ont dit, oui, c'est l'eau, il a bu de l'eau polluée. Ah ouais. On va quand même essayer de continuer à prouver que l'eau en Inde, elle est bien. Par exemple, un lac en Inde avait l'eau qui était bleue. Et puis un matin, les gens se sont levés et puis l'eau était rouge. Mais ils ont fait pipi dedans, ça se... Qu'est-ce qui est... Ils ne savent pas. Bon, on n'explique pas la cause. Mais à mon avis... C'est peut-être la terre. À part la pollution. Après, tu vois que l'eau est descendue, donc c'est peut-être la terre qui est remontée. Mais moi, personnellement... je boirais pas de cette eau à la grenadine. Mmh. Voilà. Et il y a des gens aussi qui n'aident pas à la cause. Il y a un vendeur de thé qui bossait dans le train. Et la police s'est rendu compte qu'il utilisait l'eau des chiottes pour faire le thé des gens. Mais l'eau des chiottes est potable. Ça dépend à quel moment tu la prends. Ouais. Oui. Mais oui. Mais ça reste pas propre, hein. Qu'on se le dise. Oui. C'est potable, mais tu peux être... Très vite comme ça. Oui, c'est pour ça que je bois pas l'eau de mes toilettes, hein. Je tiens à préciser. On parle de tasse de thé, mais si tu vas dans un lac et que tu bois la tasse en Inde, fais attention, car il y a un enfant de 12 ans qui s'est baigné dans la rivière Kargod. Ok. Il se baignait tranquillement, puis là il a fait... Il a bu la tasse. Eh ben... C'est un poisson ? Nemo. Dans son poumon ? Il a capturé Nemo, qui est allé dans son poumon directement. Non. Il avait un poisson dans le poumon. Tu dois faire tousser. Bah ouais. Non mais surtout le poumon il est pas vide. T'as des alvéoles. Ouais, des alvéoles et tout. Comment le poisson il est là genre? Bah je sais pas. En tout cas voilà. C'est fou. Si on peut pas boire d'eau en Inde, quelle est la solution Eleanor? On boit du coca. Alors oui, ça c'est la solution des Européens. Mais il y a un acteur de Bollywood qui s'appelle, je vais réussir à dire son nom, Akshay Kumar. Oui. Lui. Waouh, beau gosse. Qui a trouvé la solution? Il a dit: si la bouse de vache est sacrée. Non. Ben alors il faut boire. Du jus de bouse. La pisse de vache. Ah. Voilà. Donc il boit un verre de pisse de vache par jour. Et sa santé est super, il va bien mieux. Sauf que deux jours plus tard. Non, je déconne. Consommer de la bouse et de la pisse de vache, en plus, selon eux, ça permet de lutter contre le Covid. C'est vrai. Selon lui. J'ai pas eu le Covid parce que j'ai bu de la pisse de vache. Allez-y, chez vous. Moi, j'ai eu le Covid. Et j'ai pas bu de la bouse de vache. Non, de la pisse de vache. Ouais, alors du coup, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. C'est tout. Voilà. Tu veux du coca? Non, merci. Non, tu veux mon jus de pied? Oui, ça, j'en prendrai volontiers. Bah, vas-y. Miam! Et tu vas boire maintenant? Oui.
T'as pas vu. Si, j'ai vu. T'as vu pour toi? Ça pique un peu. T'as bu? C'est du produit de vaisselle. Non. Si. Abonnez-vous vite à Bad News pour payer les frais médicaux de Eleanor. Sinon. Eleanor demain. On vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un YouTube où vous abonnez. Je vous rappelle qu'on a une boutique Redbubble où vous pouvez acheter des trucs Bad News, les verres aussi, hein, Bad News. Les tasses. Tout ça, machin, les tasses, il y a plein de choses. Il y a le livre aussi que vous pouvez aller découvrir. Voilà, c'est mon dernier bouquin, il est achetable que sur Internet. Donc allez-y, le lien est en dessous. Voilà, ça raconte tout de ma vie et il y a même mon zizi, ma bite. Ah ouais. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 15 jours, Eleanor. Oui. Des bisous. Bisous. La semaine prochaine, nous recevons Parole de chat. Que l'automne vient d'arriver.